Salut tout le monde, c'est Sylvos et on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse ROMS de Pokémon Blanc 2 que vous attendez depuis maintenant toute la journée. Enfin moi je suis pressé, j'attendais que ça, de vous faire ce petit moment de Walfou. Donc je pense vous faire un épisode par jour de ce jeu qui va être sûrement titanesque. Moi d'après moi je suis pressé d'attaquer, d'ailleurs j'appuie sur Start. Oh mais écoutez-moi ce cri, c'est magnifique. Bon bah je pense qu'on va... Oh non, du japonais. Je comprends pas le japonais, comment je vais faire? Bon, c'est pas grave. Alors, voyons un peu ce qu'ils vont nous mettre. Bon, on va dire que c'est... Veux-tu commencer l'aventure Pokémon? Oui. Oh, je suis trop fort. Oh. Salut, je suis le professeur Keteleria. Je vais te présenter enfin ce qu'est un Pokémon. Oh, c'est un Chanchidou, il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Ceci est un Pokémon, hein. Tu peux le capturer, en faire tes esclaves et combattre comme un macho devant tout le monde. Pour ainsi devenir le meilleur de tous les dresseurs au monde. Oh, mais qui es-tu? J'ai été complètement oublié. Alors, je vais choisir... Alors, suis-je un garçon ou une fille? Je vais prendre le garçon parce que Zozo, il a déjà pris la fille, donc ce sera beaucoup plus logique. Alors, garçon. En plus, c'est stylé. Je vais te donner un nom. Alors, européenne, parce que j'aime pas parler le japonais. Alors, S-I-L-V-O... Sylvo, hein, parce qu'on peut pas mettre 6 lettres, hein, je pense pas. Non. Bon, bah tant pis, Sylvo. Ça y est, je m'appelle Sylvo, et toi, avec ta coupe de cheveux trop épiquement laide, tu vas t'appeler... Zozo. Ah zut, j'ai oublié de d'effacer. Alors, Zo... Ah merde, j'ai oublié de mettre la majuscule. Parce que quand même Zozo il est important, hein, faut pas l'oublier, hein. Il fait du bon travail. Alors Zozo, il est où le haut? Il est là. Et voilà Zozo, tu vas être mon rival pour l'aventure. On va s'amuser comme des fous. On s'échangera nos Pokémon. On fera des combats tellement épiques que tout le monde voudra en faire avec nous. Et là on va commencer l'aventure. C'est parti. L'été. Game Freak Presents. Oh franchement quand même c'est beau cette petite cinématique. Comment ça commence tout doucement avec une petite symphonie. Franchement je pouvais pas rêver mieux pour cette version Pokémon tant attendue. Ça doit sûrement être la petite ville de départ ça je pense. Et là il y a Zolers avec avec une fille. Sacrilège. Ce serait sa petite sœur. Je pense que c'est sa petite sœur. C'est souvent comme ça, de toute façon, dans les jeux. Enfin, dans les Pokémon. Ça doit sûrement être ma mère, parce que je pense que ça, c'est ma maison. LOL, on peut même utiliser des téléphones. Rire. Dans le prochain, je suis sûr, on pourra, dans le prochain Pokémon, on pourra utiliser Facebook. Ça se trouve, hein. Bon, bah alors, elle va rentrer à la maison, et on se demande ce que fait Sylvos. Que fait Sylvos? Sylvos, il fait quoi? Sylvos, je suis rentré! Merde! Vite, cachons les mouchoirs! Oui, maman, je suis là! J'arrive! Y'en a pas là? Non, c'est bon. Coucou, maman! Sylvos, es-tu prêt? Oui! C'est super! Et dis-moi, ce matin, tu fais ton lit? Oui! Est-ce que tu veux apporter un Kinder Bueno à Zolerx? Oui! Oh, je suis désolé, je dis vraiment que de la merde parce que je comprends rien, mais bon, je veux créer un petit dialogue, comme ça c'est assez amusant. Mais bon, j'essayerai de faire de bons commentaires, hein, de garder le plaisir de jouer au jeu. Donc, il me semble que ça va faire... Vous savez, comme le petit trailer animé, je sais pas si vous l'avez vu, version manga, c'est genre, ouais. Il va me rejoindre et on va courir comme des fous dans la rue jusqu'à pour recevoir nos Pokémon. Oh, Zozo, il est avec une fille.
Oui, Zozo, tous les deux, on va aller récupérer nos Pokémon, Sylvos. Et toi, tu vas rentrer à la maison, ma petite sœur. Oui, je rentre à la maison, je vais regarder du Justin Bieber. Ouais, bon alors ça te dit Sylvos, on y va? Allez, c'est parti. Allez-y, courons. Enfin, moi je peux marcher parce que moi ça fait que laguer mon PC. Là, je suis désolé s'il y aura des minutes de décalage. C'est la ROM qui bug un petit peu. Alors, ici on a un magnifique immeuble avec des fleurs. Là-bas, ça doit être la route. Ah bah voilà, bah il y a l'escalier, vous savez, comme dans la petite trailer, comme je vous avais dit. Bon bah, je pense que en fait, je dois aller récupérer mon Pokémon là. Alors c'est parti. Je sais déjà quel Pokémon je vais prendre. Reste ici, Zolerx. Oh, j'adore cette perspective. Coucou, tu dois être une amie qui va me donner un Pokémon. Sukai, je te salue. Mais elle est conne ou quoi? Elle a salué dans le vent. Bon, tant pis. Allez, donne-moi mon Pokémon. Oh, c'est trop stylé! Mais regardez-moi cette cinématique! Bon, je vais pas prendre Vipélière, je vais pas prendre Moustillon, je vais prendre Gricu parce que j'ai toujours aimé les Pokémon Feu dans toutes les versions de Pokémon, depuis Ruby jusqu'à maintenant. Donc je prends Gricu. C'est décidé ça. Ta 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 ta. Alors je vais l'appeler, je vais le laisser comme il est. Hein. Ah merde, j'aurais peut-être dû lui donner un nom parce qu'après plus tard je vais me paumer dans les stocks à Pokémon, vous savez, dans le PC d'Annette, je sais plus quoi. Elle m'a donné quoi là, le Pokédex? Ah bah tant mieux. D'ailleurs, on m'a parlé qu'il y aurait des Azurills sur sur la première route, donc je pense que j'en capturerai un. Je l'appellerai Fanzi. Oh cool, je pense que c'est le moment où on va s'affronter. Ouais. Pourquoi je suis toujours malchanceux sur les combats juste après avoir reçu le Pokémon. A chaque fois je me prends le coup critique du dresseur, mais bon là j'espère que ça va bien se passer. Alors c'est parti. Bah alors. Ah voilà. Mais lol, comment il se la pète Zozo, je vais le corriger, il va voir. Allez, c'est parti. Je vais te montrer le pouvoir de mon Pokémon. Bah moi je vais te montrer le pouvoir du feu. Alors, fight. C'est lequel charge? Bon, on va dire celui-là. Oh yeah, je suis trop fort. Ah ça va, les dégâts c'est assez fort. Ouais bon c'est bon, je pense que j'ai gagné d'avance. Hein. Allez, encore deux ou une et ça devrait aller. Je pense que je l'aurais fait facilement. L'autre, je sais pas ce que ça doit être, ça doit sûrement être rugissement, je pense, que Grikui est là. Et la dernière. Et voilà, on a gagné! Ah zut, j'ai pas installé le patch! Ah fuck! En fait, vous savez, il n'y a pas d'expérience dans le jeu. Donc, et ben, enfin, la ROMs d'origine ne possède pas l'expérience que l'on gagne en fin de combat. Donc, il faut que vous installiez un patch. Et j'ai oublié de l'installer. Je pensais l'avoir installé, mais j'ai dû le mettre sur la ROMs noire. Bon, bah tant pis. Et là, elle va nous faire sa petite visite annuelle de la ville. Alors là, voici un centre Pokémon. Attachiwa, Sylvos, soignez mes Pokémon. Enfin, mon Pokémon. Arigato! Alors là, c'est le PC. Où dessus on va geeker comme des fous. Et là-haut c'est le Wi-Fi hein, pour ceux qui connaissent pas. Et là c'est le petit shop où on peut acheter nos objets. Putain, qu'est-ce que j'ai avec mes mots aujourd'hui? Et j'ai reçu quoi au juste? Un E? Un smiley? Bon, ok. Je sais pas du tout ce qu'on me donne. Faudrait que je télécharge peut-être un patch anglais. Ça m'aiderait beaucoup. Parce que je veux savoir l'histoire, moi. Qu'est-ce que va devenir N et tout?
Ma mère et la sœur de Zozo? Est-ce que ce serait ma sœur? Mais alors Zozo, qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure avec ma sœur? Ah, ok. Petit coquin, Zozo, t'aurais pu me le dire. Elle m'a donné quoi le moment? J'ai reçu deux trucs et méga étranges. Je pense que ça doit être un portable, ça, ou un colis. Je sais pas du tout. Ouais. Bon, arrêtez de me parler, je comprends rien. Je suis français. I am French. No chap. Allez, maman, donne-moi. Ah oui, je pense qu'elle m'a donné les bottes de course. Enfin, les chaussures de sport. Oh ouais, c'est bien. C'est cool. Toi, tu peux me laisser entrer dans l'arène? Non, c'est jamais la première arène, comme je m'en doutais. Bon, bah, je pense que l'épisode va sûrement s'arrêter là. Hein. Comme ça, ben, je m'arrête au même endroit que Zozo. Bon, et ben, je vais m'arrêter juste devant la... ici, là. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de Pokémon Noir Blonde. Ciao, ciao!